Salut, salut. Salut bébé, bonjour. Bonjour, ma très belle. Oh Oh, bébé, quoi? tu es mouillé. Oh non, je suis désolé, je ne pouvais pas résister de toucher ma très belle. Non bébé, ne fais pas ça. Quoi? Juste repose-toi, va te rafraîchir et tu vas revenir pour les Non, repas. non, je veux juste rester à côté de toi. Le repas sera bientôt prêt. Sois patient. Ok. Salut ma belle. Salut bébé. Je vais au boulot et essaye de ne pas me manquer assez. Oui, tu vas aussi me manquer parce que j'ai aussi affaire avec ma machine. Prends pas ça mal. D'accord. Et n'oublie pas de m'amener quelque chose quand tu reviendras. Je m'attendais à ce que tu dises ça. Je ferai tout pour ma très belle. Je m'en Je vais. t'aime. Je t'aime aussi. Sois fort. Toujours. Oh mon Dieu. Oh. Salut Salut bébé. bébé. Que tu es en train de Ah, faire? depuis que tu m'avais laissé devant cette machine, j'attends de recevoir l'inspiration sur ce que je dois écrire. Tu as l'air jolie et j'aime ça. Merci. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu m'as apporté? Bébé, ne me Je dis pas suis que tu as désolé. oublié. Je suis J'avais désolé. insisté. Je suis désolé. Non. Laisse-moi vérifier, Attends. laisse-moi vérifier. Je sais que tu m'as apporté quelque Attends. chose. Voilà, je savais. Mais je ne Merci peux jamais beaucoup, oublier de mon trouver quelque chose à mon bébé. bébé. D'accord, attends. Ce que nous allons faire maintenant, je vais t'emmener là-bas au-dessus dans la chambre et tu vas me donner quelque chose. Ça, c'est mon mari. Ok, réveille-toi, réveille-toi. Salut ma belle, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Bonjour ma Bonjour belle. bébé. Allez, réveille-toi. Oui, réveille-toi. Oh. Voilà. Réveille-toi. C'est toi qui l'as fait? Rien, je me suis juste levé de bon matin et je me suis décidé de te faire un petit déjeuner. C'est pour toi. C'est pour toi. Oh. C'est vraiment toi? Bien sûr. Le cuisinier international. Allez, viens là. Je dois maintenant partir au boulot. Prends bien soin de toi. Merci bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi.
Oh. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Bien, j'étais juste en train de penser si nous pouvons faire une petite sortie, prendre un peu de l'air. Oh bébé, voyons, je ne veux pas sortir. Voyons bébé, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît bébé. On ferait mieux de ne pas durer, parce que je suis vraiment fatiguée. Bébé, il n'y a pas à se dépêcher. Les clubs débutent toujours au milieu de la nuit. Tu dis nous allons en boîte de nuit? Oui. Tu as un problème avec? Je pensais que tu voulais qu'on aille au cinéma ou autre chose. Es-tu en train de plaisanter, bébé? Bébé, tu me connais bien. Je préfère aller où il n'y a pas de bruit. Je ne suis pas le genre de ceux qui vont en boîte. Mais moi, je le préfère. Bébé, c'est pratiquement impossible que j'aille en boîte cette nuit parce que je dois aller au boulot le matin. Bébé, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi? Non, bébé, ce n'est pas ça. C'est juste que... Non, attends. Juste une nuit pour se relaxer est un problème pour toi? Ce n'est pas un problème, c'est... C'est bon, ok. Je ne vais plus entendre ça. Bébé, écoute. Écoute, tu me connais trop bien. Je ne suis pas... D'accord, je... J'essaierai certainement de m'adapter, hein. Faudrait juste que tu m'accordes un peu de temps. Comme ça, après, je vais m'adapter. N'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousée. Je m'étais déjà habillée d'ailleurs. Tout ce qu'on te demande est toujours difficile pour toi. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousée. N'importe quoi. M'énerver comme ça au milieu de la nuit. Laisse-moi. Ce n'est pas ce que je voulais. No fly on the wall yourself. I don't have a permit. It's not that kind of party. Thank you.
Laisse-moi tranquille. Bébé, voyons, s'il te plaît. Arrête. Vraiment? As-tu pensé à ce que nous avons discuté? Au sujet d'avoir un boulot. J'ai déjà un travail. Je suis écrivain. Tu n'as jamais publié tes livres jusque-là. Et alors? Je ne vais pas travailler à temps plein. Je vais être un écrivain. Mais tu dois aussi essayer de considérer... Étant mon mari, essaie de respecter mes opinions. Oui, je respecte toujours tes décisions et tes opinions. Cependant... Je veux juste essayer de faire la bonne chose. Attends juste, tu verras. Excuse-moi. Regarde-toi, Angèle. Ce mariage est très bien pour toi. Tu es très belle. Tu as pris du poids. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jamaka? Hey. Mon mari me prépare les petits déjeuners tous les matins. C'est exactement ça. Oh. Je voulais juste te dire, est-ce que ça va très bien partout? Dis-moi. C'est pas dans un mauvais sens. Oh, bébé. J'étais en train juste d'apprécier que mon mari aussi soit comme le tien, tu vois. Comme si tu as déjà trouvé les mariages. Je ne comprends pas. Donc je ne me marierai jamais, hein. C'est ce que tu es en train de me dire, n'est-ce pas? S'il te plaît, parlons ce qui est important. Comment vas-tu? Oui, ça va. Ok. Bon, tu m'avais appelé hier. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi parles-tu? Cette femme. Donc tu avais vu mon statut? Oh ma chérie, l'anniversaire de Paula, c'était tellement du bon. Là, je te dis que c'était du terrible. Je te dis que c'est la plus belle fête de nos jours. Franchement ma chérie, crois-moi. C'était tellement du chaud, ça brillait tellement que tout le monde était trop en mouvement. Bon, cela n'était pas du tout bien pour toi. Je vois que Mola est très bon pour toi. Oui, ma chérie, crois-moi. Si tu l'as dit. Pourquoi tu parles comme ça? Voyons, Jemika. Pourquoi tu compares mon mari et Kola? Il y a une grande différence. Kola et celui-là? Il y a une oui. différence? Comment? Vas-y, explique-moi un peu, s'il te plaît. Ah... Ouf. Ah. Ça n'a rien à voir avec mon premier amour. Ah, hey. N'ose pas masquer les choses que tu es en train de me dire. Oh. Angèle, est-ce que tout va très bien avec toi? Regarde, tu es déjà mariée. Reste avec ton mari et ne récupère plus ce que tu as vomi, non? S'il te plaît, n'appelle pas Kola ainsi. Pourquoi ne pas le faire? Qui pense à ses ex lorsqu'il est marié, Angèle? Ce n'est pas facile d'oublier son premier amour. Ce n'est pas facile. Tu vas surpasser tout ça. T'inquiète, ma chérie, je sais. Tu vas le faire. Et mon souhait est que tu restes à un seul endroit. Reste dans ce mariage, s'il te plaît. T'es toujours comme ça. Laisse tomber. Je suis derrière toi. Et je veux à ce que ton mariage marche. Tu me connais très bien. Thank you.
tu continues à progresser? Tu sais, j'étais en train de réfléchir et tu sais, nous pouvons sortir. Je veux dire que c'est vendredi soir. Peut-être aller dans un restaurant un peu calme. Nous pouvons quand même vérifier. Je n'ai pas faim. Oh non, mais je veux dire, ne penses-tu pas que essayer de changer des situations peut être la bonne chose? Ouf. Ouf. Je vois que tu essayes d'apaiser ma colère. Ok, vas-y t'apprêter. Waouh! D'accord, bébé, allons nous apprêter. Ok, allons-y. Oh. Je suis vraiment fatigué. Oh. Ah. C'est comme si mes jambes sont paralysées. Oh mon Dieu. Bien, tu sais, j'ai profité du bon moment et je crois que nous devons le faire très souvent. Oh, je ne sais pas. Vraiment. J'ai vraiment passé du bon moment. Laisse-moi te demander. Avant que nous nous marions, que faisais-tu régulièrement pour passer du bon moment? Bien, je dansais, je buvais. Ok, ça se l'est passé. Maintenant, je dois m'occuper de mon mari. Je t'aime beaucoup. Allez, viens là. Ah, bébé, arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu n'es pas toujours comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? On vient juste d'arriver. Je suis fatiguée. D'accord, alors, pas de problème. C'est bon. Je suis fatigué.
Ah ah, mais pourquoi Kola est en train de lire mes messages sans pourtant me répondre? Kola, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'envoie des messages, tu ne me réponds pas. Attends, si tu ne veux plus me répondre, bloque-moi sur ton WhatsApp. C'est quoi ça même? Pourquoi Ruti écris-tu des messages comme ça? C'est à qui que tu écris? C'est Chamaka. Elle est juste amusante. D'accord. Alors tu déposes ses téléphones et que tu prends la télécommande. Ok. D'accord. Wow. Je te salue, Angelina. Coca-Cola, comment tu vas? Quand est-ce que j'aurai mon gâteau de ton anniversaire? Et où est mon cadeau d'anniversaire? Non, sois un peu plus sérieuse. Il faut que tu me rendes visite pour me donner mon cadeau. D'accord, la date sera connue bientôt. Et pourquoi ça? Ouf, je suis vraiment occupée. Travaillant sur mon livre, ce n'est pas facile d'écrire un roman.
Je suis en train de chercher les inspirations de partout. Mais je peux t'aider sur ça. Comment? Bien, j'ai appris qu'il y a des gens qui ne sont inspirés que par ce qu'ils voient. Alors? Je t'envoie quelques photos tout de suite. J'espère que ça va t'aider à réfléchir. Ouf, ok. Envoie-moi ça, je vais voir. Ok. Cola, que signifient toutes ces bêtises? Oups, je suis désolé. S'il te plaît, ne m'envoie plus jamais ces genres de photos, ok? Je ne les référerai plus. C'est quoi ça? Attendez. Cola. Yeah. Qui t'a permis de venir ici? Premièrement, je devais livrer ces colis à Madame Angèle. Et deuxièmement, ma venue devait être une surprise. Bien, surprise. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça. Ça, c'est les cadeaux que je t'avais promis. Oui, et bien sûr. C'est ma première fois de venir chez toi. Allez-y, ouvre. Aide-moi. Comme ça, regarde, comme ça. Et ça vient... Voilà. Cola. J'espère que ta couleur préférée est le rouge. Oh, oui, c'est tellement beau. Tu l'aimes? J'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment. J'espère que ça sera encore mieux si tu la portes. Ah, malheureusement, je ne peux pas les prendre. Et pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas l'accepter? Rien à dire. Je vois. Bien, à part ça, je vais faire un spectacle le vendredi. Et ça sera magnifique si on se voit là-bas. Je suis désolée, Cola. Je ne peux pas. Oh, allez, s'il te plaît, fais ça pour moi. Par rapport à ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? Je vais essayer. C'est génial. Je te verrai là-bas alors. Dans cette adresse et cette place. Ok? On se voit là-bas. Waouh! Oh mon Dieu, c'est tellement joli. Waouh, waouh.
amour? Oui, ma reine. Est-ce que nous irons au club ce soir? Je pensais aller à la plage pour un pique-nique sous la lune. Et que penses-tu déjà? Tu n'aimes pas cette idée? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je vais visiter Tioma. Elle est malade. Ok. Et quand vas-tu revenir? Demain matin. D'accord. Tu pourrais m'attendre à mon retour et je pourrais t'accompagner. Non, non, non. Ne te dérange pas pour ça. Je vais juste t'appeler Uba. D'accord, alors pas de problème. Prends bien soin de toi. Merci. Mouah. Yes. Allô, Tioma. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. D'accord, d'accord, d'accord. Je veux que tu le fasses pour moi. Je pense que ton amie passe des bons moments. Oui, elle a même oublié que nous devons retourner à la maison. J'aime les cadres et j'aime aussi passer du temps avec toi. Je vois que tu as déjà l'intention de rentrer chez toi. Est-ce que je peux te raccompagner? Oh, non merci. Je voulais appeler mon chauffeur mais mon téléphone est éteint. Ok, d'accord. Mais c'est ce que j'ai dit. Je peux te raccompagner jusqu'à la maison. Est-ce que je serai en sécurité? Le Angel que je connaissais ne pouvait pas me demander s'il était en sécurité avec moi. Oui, cela prouve que l'Angel que tu connaissais est différente de l'Angel que tu vois maintenant. Je ne pouvais pas quand même rester la même. Tu sais, la mauvaise fille que je connaissais, je savais que pour elle, moi je serais quelqu'un de sécurisant. Quand je suis avec elle, elle pourrait tout faire pour que je sois toujours avec elle. C'est le temps de partir. Je vais te conduire en toute sécurité. Tu me fais confiance? Es-tu d'accord? Es-tu sûr? Ok.
Allons-y. Allez, viens là, bébé. Voilà, nous y sommes. Ouf. Ça fait longtemps que j'ai passé des temps. Oui, bien sûr. Je parie que je conduisais très vite pour que tu puisses t'accrocher à moi comme ça. Non, j'ai juste peur de ça. Et puis je sens que tu m'aimes jusqu'à présent. Est-ce que j'ai mens? Je pense que je dois aller à l'intérieur. Je suis fatiguée. Ok, mais depuis mon cadeau d'anniversaire. Jusqu'à là, je n'ai pas encore eu ça. Et aussi, je voudrais que tu me fasses une faveur. La prochaine fois qu'on va se voir, faut bien t'habiller. Faut pas t'habiller de manière si couverte, hein? Ok. D'accord. Je vais voir comment tu réponds. Je vais regarder comment tu entres et puis moi je vais partir. Non, je te regarde seulement. Oh, bébé. Tu n'es pas encore allé au boulot. Qu'était-il arrivé à ton téléphone? J'étais appelé à plusieurs reprises, mais tu ne répondais pas. Je ne savais pas quand est-ce que tu as quitté la maison et quand est-ce que tu allais revenir. Que s'est-il passé? Ah, je suis vraiment désolée, mon téléphone était éteint. Ton téléphone était déchargé et tu ne pouvais pas trouver un chargeur pour le recharger? Je me suis inquiété de vous. Oh, je suis désolée d'avoir rendu furieux. Je promets, prochainement, quand je serai d'ailleurs, je te mettrai au courant de tout ce qui s'est rentré de ce passé, je te promets. Je ne suis pas en train de m'amuser. Bébé, je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux encore? Comment va Ichimaka? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu avais dit qu'elle n'allait pas bien. Oh oui! Elle va bien maintenant. Elle va bien. Elle t'a même salué. Le déjeuner est dans le réfrigérateur. Tu pourras le réchauffer au micro-ondes. Je vais au boulot. Merci beaucoup, mon amour. Tu ne m'embrasses pas? Bébé! Tu sais, ton spectacle d'hier m'a permis à écrire mon livre. Avec ma danse romantique? Oui. J'avance déjà très bien. Je suis déjà au chapitre 6. C'est très bien. D'ailleurs, je ne suis même pas surpris. Tu sais, ce genre d'événement est une grande source d'inspiration. Oui. Peux-tu m'envoyer, s'il te plaît, toutes ces photos? Tu plaisantes, bien sûr.
Non, je suis sérieuse. Ok, je promets. Je ne vais plus te punir cette fois-ci. D'accord, ma chérie. Ok. Je les attends. Est-ce que c'était Jennifer? Oui. Est-elle au courant que tu continues à parler avec ton ex? Ne me parle pas d'elle. Depuis qu'elle avait voyagé, elle n'est pas encore de retour au pays. Mon cher, fais attention avec ces jeux dangereux que tu joues. Mon frère, désolé. Donne-moi quelques minutes. Je viens d'avoir une inspiration. J'arrive. Bébé, es-tu prête? Hmm? Non, arrête. Oh bébé, c'est ce que tu fais depuis un moment maintenant. Pourquoi? Je disais juste que je ne suis pas d'humeur. Tu ne peux pas comprendre. Salut! Angelina! Oh! Wow! Joyeux anniversaire! C'est pour toi! Merci beaucoup! Allons là-bas, je vais voir! Oh, merci! Je t'en prie, tu es vraiment génial! Merci! Laisse-moi t'apporter un verre de jus. D'accord? D'accord. Tu vas bien? Tu les gardes toujours? Bien sûr, je les garde. Je ne peux pas détruire un cadeau venant de toi. À votre santé. Merci.
trinquant. À ta santé. Je suis très content de te voir. De même que moi. Hey, mais où est-ce que tu pars? Alors, qu'est-ce que tu penses? Bien, je crois qu'on pourrait encore se revoir et être encore plus explicite à ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, attends que je sois encore un peu plus clair. Tu n'auras pas des inspirations si tu n'es pas dans ton assiette. Mais je... Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu suggères? Il te faut d'autres inspirations. Provenant d'où? Tu me dois encore une visite. Tu sais, pourquoi ne pas venir ici? Comme ça, je donnerai toutes les inspirations dont tu auras besoin. Ça paraît un peu compliqué. Et aussi, je ne vais plus répéter ce qui s'était passé la dernière fois. Ah, ok, je vois. Je suis désolée. Je viens de me rappeler que tu n'es plus cette femme-là que j'aimais. Ok, je vois. Peut-être que tu devais chercher des inspirations ailleurs. Je suis désolé. Ok, au revoir. Mais, allô, mais... Oh. Bébé. Bébé. Oh, oui. Es-tu sûr que tu regardes toujours ces films? Je pense juste prendre bain et puis dormir. Oh, c'est tout ce que je veux maintenant. Et quand comptes-tu alors trouver d'inspiration pour ton livre? Oh... Je pense que je dois juste écrire tout ce qui me passe par la tête. Je pense que c'est mieux. Oh, as-tu compris? D'accord.
Bébé, je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise par rapport à ce que je vais te demander. Tu dois savoir que ça vient d'un mari qui t'aime beaucoup. Jusqu'à quand vas-tu arrêter de regarder du porno? Quoi? Oui, je veux dire... j'ai vu ton téléphone. Je l'avais vu quand tu l'avais laissé. Ok, et... tu n'as pas à t'expliquer. C'est bon, tu m'as vu regarder ça. Et alors, quoi? Bien, nous ne sommes pas comme des amis. Et si tu as besoin du sexe, s'il te plaît, dis-le moi. À chaque fois que je te demande de m'exciter, de m'étouffer, tu ne le fais jamais. Hein? Pourquoi tu te plains? Mais bébé, pourquoi fais-tu tout ce que tu es en train de faire? Pourquoi? Tu n'as pas besoin de comprendre. C'est bon. Bébé, une autre chose. C'est qui Kola? Je veux dire, je veux ses appels. Il a essayé de t'appeler ce matin plus de 10 fois. Oh. Allô, Chamaka. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Quoi? S'il te plaît, si mon mari t'appelle pour confirmer qui est Kola, dis juste que c'est ton frère. Tu blagues, n'est-ce pas? Angèle, je ne sais pas quel jeu tu joues, mais je ne suis pas avec toi dans ces jeux. Hey, Chamaka, non, s'il te plaît, j'ai promis de passer à autre chose. Je t'en supplie, je ne vais plus te déranger. Alors pourquoi tu lui donnes des pistes pour te suspecter? Ah, ok, c'est bon, j'ai pris bonne note. Je t'avais couvert la fois passée, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi te dire, si ton mari m'appelle, je ne vais pas répondre à son appel. Mais si ce que je suspecte est vrai, Angèle, je te conseillerais d'arrêter ça maintenant. S'il te plaît, pourquoi est-ce que tu veux risquer ok, mariage? C'est bon, j'ai compris. Dis-moi juste si tu vas m'aider ou pas, c'est ce que je vais entendre maintenant. Au fait... ai-je des symptômes de quelqu'un qui est en train de mentir? Écoute-moi, Angèle, s'il te plaît. Scola, après avoir couché avec toi, abusé de toi, tu continues à mettre ton mariage en danger à cause de lui? Tu es mariée à un bon homme, un meilleur d'ailleurs. Fais tout ce qui te semble bon. Mets-moi juste hors de tes drames.
Ton quoi? Mon livre. Et tu viens ici juste pour ça? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu t'es mariée? Tu ne savais pas. Si tu me l'avais dit un peu plus tôt, je devais t'arrêter. Pourquoi? Parce que je t'aime toujours. Sérieusement, Kola, je ne peux pas quitter mon mari pour toi. Angel, tu ne peux pas mentir ton cœur. Tu m'aimes toujours? Pour cette nuit, tu dois juste l'oublier. Mais Kola, pourquoi tu ne réponds pas? Salut Kola. J'étais en train d'essayer de t'appeler il y a longtemps, mais tu ne prenais pas mes appels. J'espère que tout va bien. Rappelle-moi quand tu verras ces messages vocaux. À plus. Salut Kola, je voulais juste te dire que je viens de terminer avec mon livre. Tu m'as donné toutes les inspirations dont j'avais besoin. S'il te plaît, rappelle-moi.
Alors, Cola, s'il te plaît, pardonne-moi si je t'avais fait quelque chose de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne décroches pas mes appels. Tu ne veux pas répondre à mes messages. Tu ne veux pas me parler. S'il te plaît, si j'ai fait quelque chose de mal, s'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. Je ne vais plus répéter cela, je te promets. Bébé, est-ce que tout va bien? Tu ne veux pas me le dire. Ton téléphone te réveille il y a bien de semaines. Oui, tout va bien. Je vais bien. C'est juste que... juste un peu stressé. Tu sais, je veux juste aller prendre bain et dormir. D'accord. Bonne nuit. Oui, tu peux. Bébé, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Bébé, est-ce que tu vas bien? Oui, je pense que c'est la nourriture que j'avais préparée l'autre fois. Pouvons-nous aller voir un médecin? Oh non, ça va, je peux aller seule. Ok. Mon sac... Tu crois que tu n'as rien oublié? Merci bébé. Je reviens. Thank you.
Cola. Hé, hey, qui es-tu? Cola. Je te demande qui es-tu? C'est à moi de te demander qui es-tu? Hé, 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 qui fait autant de bruit? Oh, je vois. Chérie, peux-tu me donner un peu de temps pour que je parle un peu à notre invité? Et après nous allons... Comme tu vois les femmes. Bébé, depuis quand? Qu'est-ce que tu veux dire par depuis quand? Toi et moi nous sommes séparés pendant 3 ans. Et tu penses que je devais te laisser pendant tous ces temps? Oh, ne me regarde pas comme ça. Comme si je suis la seule personne qui te trompe. Comme si toi tu ne trompes pas ton mari. Alors n'est pas comme si c'est quelque chose de grave. Hein? Alors, pourquoi tu m'as fait ça? Jouer avec mes émotions. Tu m'as menti. Jouer avec mes sentiments. Et coucher avec moi. Écoute, que puis-je dire? C'était bien. Hein? Ces petits mots que nous avons passés ensemble. Maintenant là, tu sais... Ne me touche pas. Je suis désolé. Je disais que maintenant là, je devais tourner la page pour mieux vivre, mieux ma relation avec Félicia. J'ai dit. Tu es un démon. Moi? Démon? C'est comme si tu appelais Mamite Boulois Noir. Tu sais quoi? Oh, écoute, fais-moi une petite faveur, s'il te plaît. Va devant le miroir et tu verras la parfaite représentation de ce qu'est le mal. Mais pourquoi tu restes là? Alors, vas-y, vas-y, va juste au miroir. Vas-y. Bébé? Nous devons parler. Je ne suis pas d'humeur. C'est qui, Cola? Je t'avais dit que c'est le frère de Chamaka. Qu'est-ce que tu veux connaître de plus? Qu'est-ce que je veux savoir de plus? J'aimerais savoir le rapprochement de ma femme avec un autre homme. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Je peux t'expliquer. Maintenant, tu peux expliquer. Bien. Je vérifie vos 2 messages. Et j'ai tout vu. Et j'ai compris en fait que tu es en relation avec cet homme. Oh, c'était une erreur. J'ai toujours été loyal envers toi. Dans notre relation. J'étais pratiquement servi. Et c'est comme ça que tu m'as payé. Désolé bébé. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît. Je reconnais mon erreur. Je promets, la prochaine fois, cela ne va plus se répéter. La prochaine fois? Va plus se répéter. Non, non. Avec tout ce que tu as fait, pourrions-nous essayer de parler de la prochaine fois? Pourrions-nous? Tu sais, je ne veux plus continuer dans ces mariages. J'ai déjà sorti toutes mes affaires. Tu peux garder la maison. J'en ai fini. Non, chérie. Chérie, pardon. Pardon, mais pardon. Pas me toucher. Parce que je te donnerai. C'est que tu ne pourras pas continuer. Chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Ah!
tu as... S'il te plaît, chérie. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.